Bosnie-Herzégovine, carrefour des religions. République fédérale composée essentiellement de trois ethnies, bosniaques musulmans, serbes orthodoxes et croates catholiques. Tout a commencé en 1980, après la mort du maréchal Tito. La Yougoslavie n'a plus d'arbitre de ces conflits toujours latents. L'Empire éclate, se désunit. La guerre couve déjà, l'état d'urgence est déclaré. Dans cette région des Balkans, un an plus tard, en 1981, une voix apparaît dans un village. Ce petit village croate, en Bosnie-Herzégovine, porte le nom de Medjugorje. Nous sommes dans ce petit hameau minuscule, extrêmement pauvre et au bord de la misère, on peut le dire. Nous sommes en Bosnie-Herzégovine, à une heure de la mer, entre Dubrovnik et Mostar. Et ce petit village vit du tabac, travail très dur, très sale, harassant et qui ne paye pas. Ce village vit aussi de la vigne. Une vache par famille, un ou deux porcs par famille, quelques poules, quelques brebis, et on fait avec ça. Il y a le joug de la milice communiste qui est sur le village, qui a les rênes de l'autorité, et nous sommes en plein mois de juin, nous sommes le 24 juin 81. Quelques adolescents, 16, 17 ans, marchent sur un petit sentier, au flanc d'une colline, pas de Bordeaux. Et tout à coup, au flanc de la colline, apparaît une grande lumière. Quelqu'un est dans cette lumière. Ils sont sidérés, ils regardent, ils tombent à genoux, et ils ne peuvent que regarder et regarder encore. Car l'apparition est d'une beauté qu'on ne peut pas décrire. C'est une femme. Ils comprennent alors, à ce sourire, à cette tendresse, à cette lumière, que peut-être ils sont devant la Vierge Marie. Mais ils ignorent, dans leur simplicité totale, que la Vierge est déjà apparue à Fatima, à Lourdes, à Banneux, à Pontmain, etc. Ils ignorent tout de l'histoire. Ce sont de petits paysans complètement incultes qui ne sont pratiquement jamais sortis de chez eux, de l'Herzégovine. Alors ils ne peuvent que regarder sans comprendre. Les enfants sont bouleversés. Certains même ont peur. Ils se disent, mais est-ce que je ne suis pas devenu fou? Est-ce qu'on a rêvé ou quoi? Ils parlent le soir dans leur famille, ils racontent l'événement et ils pensent que tout le monde l'a vu, puisque eux l'ont vu. Et les autres disent, non, nous n'avons rien vu. Comment vous n'avez rien vu? Elle était là. Nous n'avons rien vu. Ils s'aperçoivent qu'ils ne sont que six à l'avoir vu. Il s'agit de Ivan, Vitska, Maria, Mirjana, Ivanka. Et le lendemain, ils reviennent, et elle est à nouveau. Et alors, quelqu'un demande, « Qui es-tu ? » Et la dame répond, « Je suis la bienheureuse Vierge Marie. »
prima che la Madonna viene, viene luce tre volte. E dopo viene con vestito grigio, velo bianco, capelli neri, occhi azzurri. C'è una nuvola grigia sotto piedi. Solo quando arrivano grandi feste, Natale, Pasqua, compleanno, anniversario, e la Madonna viene tutta di oro. E ogni volta per Natale la Madonna viene con un piccolo bambino in braccio appena nato. Solo prima 2 anni fa, per Venerdì Santo, la Madonna è venuta con Gesù grande. È stato tutto sanguinato, facciamo una preghiera. E la Madonna dice, ma sono venuta con Gesù grande, che voi vedete quanto è Gesù sofferto per tutti noi. Facciamo un momento in silenzio. Quando è il nostro compleanno, la Madonna saluta noi. Quando è il suo compleanno, noi salutiamo la Madonna, dare mano, braccio, ma proprio una persona viva come noi. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na časnoti naše, amin. Gloria al Padre, slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, tako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vijekova, amin. Regina della pace, prega per noi. Padre nostro, oče naš. Et alors, ils peuvent la toucher, ils peuvent lui serrer la main, ils peuvent l'embrasser, et laissez-moi vous dire qu'ils ne s'en sont pas privés. Elle est absolument comme une personne normale, avec ses cheveux noirs, ses yeux bleus, son voile blanc, sa robe d'une couleur qui n'existe pas sur la terre, dans les gris bleus, couronne de 12 étoiles sur la tête, et une majesté de reine, un amour qui émane d'elle extraordinaire. C'est une femme. Son regard bleu est inexprimablement tendre, chaleureux, lumineux. Elle sourit. La Vierge est apparue, elle était debout devant une croix de bois et elle pleurait. Et Maria m'a raconté qu'elle pouvait voir les grosses larmes jaillir des yeux de la Sainte Vierge qui avait un visage tellement douloureux. Elle voyait ses larmes couler le long de ses joues et se répandre sur sa belle robe et tomber à terre. C'est une femme. Son regard bleu est inexprimablement tendre, chaleureux, lumineux. Elle sourit. Puis elle donne son nom, le vocable sous lequel elle désire être invoquée à Medjugorje. Je suis votre mère, la reine de la paix et de la réconciliation. Regardez la croix, nous dit la Sainte Vierge.
Sur la croix, le Christ a dit, voici ma mère. Guardate la mia madre. Regardez ma mère, acceptez ma mère. Et la madre dice, ma guardate mio figlio. Et la mère dit, mais regardez mon fils. Come possiamo imparare dal Cristo? Alors, comme nous pouvons apprendre du Christ, nous pouvons aussi apprendre de la mère. Christ non dice, se volete, ecco, le Christ ne dit pas, vous pouvez prendre ma mère si vous le voulez. Ecco, mais il dit, prenez-la, voici un giorno ma prima mère. Ha detto, ecco il mio corpo. C'est une femme, son regard bleu est inexprimablement tendre, chaleureux, lumineux, elle sourit. Miroi sena ma Gospodine. Cinda plamen srca moga, ljubi Isusa, Sina Tvoga, da mu budem ugodan. Cinda plamen srca moga, ljubi Isusa, Tvoga, da mu budem ugodan. Sveta majko, mene usliši, u srce mi ranu piši, spasitelja Isusa. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si me Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si me Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje. Et dès le début, la Sainte Vierge va parler aux enfants et leur donner des messages.
Oče naš koji jesi na nebesima, koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh. Koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zlamen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. Veliča, Bože moja gospodina, i kliče duh moj u Bogu mome spastelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, Otca će me evo svi narašta i zvati blaženom, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amin. Kraljice mira, moli za nas. Je suis parti là-bas par les hasards, je dirais, de l'intérêt que l'on porte à des phénomènes que l'on ne comprend pas, donc en tant que scientifique. Donc l'objectif de la mission qui a été réalisée est un objectif purement scientifique, c'est-à-dire essayer d'analyser ce qui se passe sur des personnes qui disent recevoir des messages d'une autre personne que l'on ne voit pas. Donc, a priori, c'est essayer d'étudier scientifiquement une hallucination, puisque c'est la définition du dictionnaire, une hallucination visuelle, c'est-à-dire voir quelque chose que les autres ne voient pas, une hallucination auditive, puisque c'est entendre quelque chose que les autres n'entendent pas, c'est essayer d'étudier scientifiquement un tel phénomène. Il y avait un enregistrement avant l'extase, pendant l'extase et après l'extase. Et pendant l'extase, ils ont un rythme électroencéphalographique, je parle de deux voyants qui ont été enregistrés, qui est un rythme alpha, par rapport au rythme
classique, rythme au pluriel classique que nous avons lorsque nous parlons à une personne. Lorsque je vous parle, vous êtes en alpha et en bêta. Alors alpha, c'est 10 cycles par seconde sur l'électroencéphalogramme. Ça veut dire que vous écoutez ce que je dis, et puis bêta, vous réfléchissez à ce que je dis. Donc nous fonctionnons tous en alpha, bêta, alpha, bêta, alpha, bêta. Or là, ce qui est très curieux, c'est qu'ils sont en alpha, brutalement, à partir du moment où ils tombent dans un état d'extase, c'est-à-dire où ils sont en communication avec quelqu'un, quelque chose que nous ne voyons pas. Donc nous nous sommes dit, pourquoi donc ce rythme alpha? Alors on a étudié la littérature, on s'est rendu compte qu'on trouve du rythme alpha chez des gens qui sont en état de contemplation, en état d'intériorisation, de méditation, le zen, enfin toutes les philosophies un peu hindouistes ou orientales. On voit des gens qui peuvent être en rythme alpha, mais ça n'est pas facile. Il faut du silence, il faut une petite musique douce, il faut une lumière tamisée, enfin il faut un tas de circonstances, si vous voulez, qui n'étaient pas présentes là, puisque là, vous voyez des jeunes qui tombent à genoux, certes dans une chapelle ou dans une sacristie, mais où il y a du bruit, où il y a du monde, où il y a un mur, où il y a de tout, et il n'y a aucun élément qui les aiderait à tomber en rythme alpha, comme ça, brutalement. Donc ça a été la première chose qui nous a frappé, c'est il y a un rythme électroencéphalographique qui est anormal, pas anormal au sens de pathologie, mais qui n'est pas un rythme d'une personne en état d'éveil. Ça n'est pas non plus un rythme de quelqu'un qui rêve, de quelqu'un qui a une maladie, une épilepsie, une catalepsie. Alors, dans les tests que nous avons fait le test de l'écran. Par exemple, nous avons mis un écran devant leurs yeux pour voir si on les empêchait de voir ce qu'ils disent voir. Ça n'a strictement rien changé. Nous avons étudié les mouvements des globes oculaires, en particulier le clignement à la paupière, le réflexe à la menace. Si je vous envoie le poing vers la figure, vous allez avoir un réflexe et vous allez fermer la paupière. Eh bien, eux, ils ne voient pas la menace qui arrive. Leurs globes oculaires sont bloqués pendant tout le temps de l'extase. En fin d'extase, il y en a un ou plusieurs qui disent le mot « odé ». « Odé », ça veut dire « elle part », ou « elle est partie », ou « elle s'en va ». Et les yeux s'élèvent vers le ciel et c'est la fin d'extase. Alors, la question c'était, est-ce que l'un ou l'autre des voyants ne prononce pas le mot « odé » avant que les yeux ne s'élèvent, ce qui fait que les autres entendent « il a dit odé », nos yeux s'élèvent et c'est la fin. Là, on les confond dans la supercherie. Et l'un de mes collègues, le professeur Cadillac, professeur de neurophysiologie, avait analysé ce point de détail en disant « il faut voir ça de très près parce que là, on va les confondre ». Eh bien, leurs yeux, ça c'est absolument certain, ça a été vérifié, commencent à s'élever vers le haut et puis l'un d'entre eux dit « OD ». Ils sont déconnectés visuellement, sans être aveugles, ils sont déconnectés auditivement, ils sont déconnectés au niveau de la douleur. Ils sont déconnectés, si vous les touchez, ils ne se souviennent pas que vous les avez touchés. Et tout ça, nous l'avons testé de façon extrêmement scientifique. Donc, il y a une déconnexion du monde extérieur. Donc, je crois qu'il faut à ce moment-là essayer de voir quelle est la personnalité de chacun de ces voyants. Sont-ils normaux, anormaux, fabulent-ils, comment sont-ils dans la vie courante? Donc, nécessité d'une étude psychologique, d'une étude presque psychiatrique. Et il n'y a aucun doute là-dessus, ils sont normaux dans la vie quotidienne. Ils sont au contact du réel, ils sont peut-être moins intellectuels que ne le seraient des Français à l'université. Ils sont en contact avec la nature, avec les moutons, avec les chèvres, avec les figuiers, avec la vigne, avec le tabac, avec tout leur environnement. Et ce qui nous paraît tout à fait normal et banal. Donc nous n'avons pas vu chez eux des troubles de la psychologie, des troubles, le moindre trouble qui inquiéterait. Donc nous n'avons pas trouvé de signe visant à les confondre et à dire « ils se donnent un message, c'est une manipulation, etc. etc. » Donc au fond, si vous voulez, nous scientifiques, nous avons beaucoup travaillé et nous pouvons pour l'instant conclure qu'il se passe quelque chose que nous ne sommes pas capables de comprendre. Donc il faut continuer à chercher. Amour.
C'était le moment d'une apparition. J'ai ressenti la présence de Marie. Je ne l'ai pas vue parce que je n'ai jamais vu ni Marie, ni... Mais j'ai senti sa présence, une douceur infinie, un amour immense. Et cette présence m'a illuminée, a illuminé mon cœur et a fait grandir en moi cette paix. Et en même temps, j'avais l'impression que mon cœur se donnait complètement à elle. Et c'est vrai que quelque chose en moi a complètement basculé et changé. Слава Отцу и Сину и Духу Святому. Отче наш, кои еси на небесима, свети се име Твое, дојди краљевство Твое, буди воља Твоја како на небу, тако и на земљи. Au mois de mars 93, la mort de mon fils en accident de voiture, qui s'est éteint tout seul dans sa voiture à 3h30 du matin, il paraît. Personne n'a pu nous constater. Et je fus tout un moment, un certain temps, pendant 2 ans, à me lapider, me... Je voulais voir personne, je voulais voir. Je ne pouvais pas trouver de conversation. Je ne pouvais pas aller dans une réunion quelconque. Même pas dans une église. Et j'étais obligé de sortir. Et comme ma femme avait été à Medjugorje. Elle me dit, viens voir, tu reviendras pas comme t'es parti. Le lieu, c'est merveilleux. Et je dis qu'on va à Medjugorje, malgré qu'on est très croyant, on ne peut pas revenir de Medjugorje comme on est parti. On a quelque chose de changé dans notre vie. On ne voit plus les choses pareilles. Je vais dans la confiance et en allant dans la confiance, tout marche tellement bien maintenant que c'est comme ça que je vais, toujours dans la confiance. Et ça a vraiment changé ma vie. Et nous sommes partis dans la montagne pour aller voir la montagne des apparitions. Et j'ai vu un nuage. Un nuage bizarre. En brouillard. Et je sais que je regardais vers le ciel. Et plus ça allait, plus ça descend. Alors on m'a porté de... comment dire, 15 mètres ou 20 mètres. J'ai mis un visage souriant, s'épanouir. Celui qui est là, devant moi. Là. Un petit papa. Je suis ton fils, qui ? Tu me reconnais. Tu diras à mon frère et à mes soeurs et à ma fille de prier pour la paix. Et un voile. C'est dispersé, un brouillard monté.
puis je l'ai vu monter, s'envoler dans les cieux. Et tout seul, en réfléchissant, j'ai dit, c'est mon gars qui est là. Alors j'ai redescendu de la montagne des apparitions tout seul. Forcément, en me posant bien des questions. Est-ce vrai ou est-ce pas vrai? Je me suis dit, il y a quelque chose de transformé dans mon cœur. Et depuis 7 ans, je puis m'en en passer d'y penser. Et tant que je pourrai, vers la 5e année, cette année, que je vais à Medjugorje, et lorsque je pourrai, j'irai. Voir cette belle montagne où j'ai entrevu mon fils. Oui, donc j'ai été le vendredi soir au début du chapelet avec une amie qui avait une sclérose en plaques, stade terminal. Je l'ai appris après qu'elle était condamnée. À la fin du premier chapelet, donc vers 6h30, j'ai senti comme une présence à côté de moi. En moi, à côté de moi, enfin, c'est difficile de décrire. Mais je suis très matheuse cartésienne. J'ai regardé ma montre, j'ai dit non, c'est pas l'heure de l'apparition, donc ce n'est pas l'apparition. Et puis, j'ai dit dans mon cœur, mais de toute façon, si Marie doit venir pour quelqu'un du groupe, il y avait Marie-Lise, donc mon amie, qui était deux rangs devant moi, assise, je voyais bien qu'elle souffrait, et j'ai dit, c'est pour elle qu'elle devrait venir. Bon, et je suis repartie dans ma prière. Et à la fin de cette apparition, quoi, enfin, c'était pas une apparition, de ce que je ressentais, il y a eu une parole en moi, et cette parole disait « Marie-Lise sera guérie au retour ». Alors c'était quelque chose d'immense que je recevais là, et puis voilà, ça s'est arrêté. Il faut que je vous dise qu'en même temps, il y avait une odeur de rose autour de moi. Le lendemain, le groupe de notre groupe de certains de notre groupe de pèlerinage ont monté Marie-Lise sur un brancard à la colline des apparitions. Au moment de l'apparition, moi j'étais avec d'autres dans l'église et on priait. En haut de la colline, ils ont prié pour sa guérison. Et elle a accepté la guérison. Parce qu'encore une fois, le Seigneur ne nous viole pas. Il ne fait que ce que nous demandons. Et donc, elle a accepté de demander la guérison. Et là, elle a vécu un moment très fort. Elle est redescendue sur ses deux jambes.
Et lorsque je l'ai vue le soir, elle était radieuse. Son visage de souffrance avait disparu. Elle avait un sourire lumineux. J'ai vu quelques dossiers, qui sont des dossiers intéressants de guérison. Ce sont surtout ce que j'ai vu, des dossiers neurologiques, des dossiers de sclérose en plaques. Mais vous savez que pour démontrer qu'une sclérose en plaques est guérie, il faudrait enlever la moelle. Donc on ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. Donc c'est très difficile de parler de guérison. On peut parler d'amélioration. Moi, j'ai vu des gens nettement améliorés sur le plan de leur santé. J'ai beaucoup de malades qui m'ont demandé, atteints de cancer, d'aller là-bas. Et je leur ai dit oui, pas de problème. Je n'ai jamais vu personne revenir guéri, mais j'ai vu toujours des gens revenir mieux, psychologiquement, intérieurement, pacifiés, acceptant mieux leur état. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Kraljica mira, Gospa Majka moja, Kraljica mira, Gospa Majka moja, Gospa Majka moja ti, Gospa Majka moja, Gospa Majka. C'est un coin du monde où il se passe quelque chose de sérieux, quelque chose de solide, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui est à étudier, qui est à mûrir, à réfléchir. Il se passe quelque chose, et je pense que plus nous allons évoluer dans le temps, plus, à mon avis, il y aura des gens qui iront et plus il se passera des choses. Gospa majka moja, klavića mira. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti. Gospa majka moja, klavića mira. Gospa majka moja, klavića mira. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti. Gospa majka moja, Gospa majka moja ti.